6h30, il fait toujours nuit. C'est un truc de dingue. Qu'est-ce que c'est ce bazar, Choupi? Hey, j'espère qu'ils n'ont pas mis la lune en confinement, le soleil en confinement, pardon. Ah oui? Hey, ça serait un truc de fou. Hein. On prend le petit déjeuner et puis on va partir sur l'autre baie derrière à 25 000. Déjà, on dit bonjour pour commencer, pour être poli. Je viens te dire bonjour. Oui, c'est ça, mais je parle aux bananes. Parce que c'est pas tout, nous. Et les bananes pourraient être un peu polies. Dites bonjour à la jacouille. Mais t'es une banane, toi? Oui, t'es une grosse banane. Je viens de checker, 6h56, lever de soleil. Où? Mais où? C'est un truc de dingue. Et quand on est arrivé au début en Afrique du Sud, 4h du matin, pour voyez première lueur, le soleil se levait vers 4h15, 4h30. Mais où on va, les bananes? Ça fait presque 2h30, quoi. Mais où on va? Mais où on va? Donc c'est l'avionix hein, qui me dit tout ça. Vous avez les horaires des marées en détail. Quand vous allez dans le petit onglet marée qui est ici sur l'avionix, vous cliquez dessus, vous avez détail qui est là. Et là, vous avez le lever de soleil, à quelle heure il y a marée, le lever de lune, le coucher de soleil. Et voilà, il n'y a pas le coucher de la jacouille. Mais ça, vous savez qu'on adore la jacouille parce qu'elle ronfle. Là. Oh, ah, si, c'est vrai. Alors là, tu vois, ça lui arrive un peu tous les soirs. Vous savez, comme les vieilles. Ben, ça lui arrive à la jacouille, ça y est. La jacouille me dit, il va nous avoir chié partout celui-là. C'est très calme. Il y a de la brume. On a monté la GV directement à l'ancre. Ce matin, pour partir, on a 25 000 à faire. Prochaine étape, Dolphin's Head. Et il y a des bateaux, on voit plus les bateaux à dehors. Là. Intérêt à faire gaffe de ne pas se prendre des bruits, on va bien surveiller. Ah, on est en train de chasser, c'est normal, j'ai oublié de l'éteindre. Hop là. On est parti. On verra pas le soleil sur la... Quand t'es dans le brouillard, depuis trop longtemps. Notre ami de ce matin s'en est donné à cœur joie. Je suis à deux doigts d'accuser la jacouille. Hein. Hier, elle a mangé des fruits de mer pas trop frais, je crois. T'as pas froid comme ça? Non, je suis bien là ce matin. Là, je suis bien, là, je me sens bien, je me sens à l'aise, souple dans. Pas dans mes baskets, dans mon caleçon. Oh, regardez, c'est beau, on a l'impression de naviguer dans de la neige. On a changé d'espèce de méduse. Des milliers d'espèces de jellyfish box. Ah, il y a un peu de fou, là. Oh là là, mais c'est un truc de malade. C'est un truc de dingue. Il y a tellement d'humidité que ça fait des bulles en trampoline, dis donc. Regardez ça. Oui, ça s'appelle le point de rosée, cher Choupi. La brume? Ouais, en fait, c'est quand le rayonnement... Ils appellent ça le rayonnement de la nuit. Enfin, je sais pas, ça doit être la chaleur qui se dégage du sol. Ouais. Qui touche la... Les températures fraîches qui arrivent de l'Atlantique. Ouais. Et en fait, quand les deux se mélangent, ouais, et ben, ça fait cette brume qui, en plus de la brume, c'est de la pluie en fait très très fine. D'accord. En fait, c'est un nuage qui se forme au niveau du niveau de la mer. Ben, merci pour cette information. Et nous sommes dans le nuage. Nous sommes dans le nuage. Voilà. Ouais, ça fait un peu fantomatique. On a l'impression qu'un fantôme, voilà, peut sortir de nulle part. C'est vrai, hein. Un peu comme dans le dessin animé de Scooby-Doo. Avant, il y avait Scooby-Doo. Ah oui. Et Scooby-Doo. J'ai l'impression qu'il y a des fantômes. Scooby-Doo. Et toi, t'es Daphné, toi? Je suis Daphné. Ouais, c'est un théo, Daphné. Toi, t'es avec tes chaussures sur le bateau, là. Ben, elles sont propres, mes chaussures. C'est malin, regarde, tu marches derrière et tu refais des traces. Ah, bah oui. Petit test du radar, du coup ma jacouille me demande est-ce qu'on peut voir avec le radar. Bah évidemment, est-ce ça sert à ça. Hein. Sinon, avec la brume. C'est pas fait pour la décoration le radar, avec la brume. Et donc ça, là, je te vois, c'est pourtant de la brume. Vous voyez comment c'est, ça fonctionne très très bien. C'est très très brumeux, très couvert. Et là on voit qu'il y a deux bateaux. Trois. Ils sont où? Bip bip. Touk 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 touk. Alors cette côte se fait appeler également la côte des squelettes. Pour cette raison, c'est que... donc c'est pas un phénomène unique, la brume que nous avons ce matin, c'est un phénomène qui existe depuis des siècles ici. Et les bateaux à l'époque ne pouvaient se diriger qu'avec le soleil, les étoiles,
et rester coincé dans la brume sans aucune visibilité, aucune façon de pouvoir se demander où ils sont. Et le courant du Bengala les emmenait s'échouer sur le désert, sur la côte, et c'était fini pour eux. Voilà pourquoi on l'appelle la côte des squelettes. Énormément de bateaux sont échoués. Et je disais à Jacouille, ça donnerait presque envie de faire un voyage rien qu'à pied sur toute la côte de la Namibie par la plage. On devrait découvrir des choses incroyables, incroyables. Ah, il y a des choses vraiment très étranges, les bananes, regarde bien. Il n'y a plus que des morceaux de méduses. Des méduses broyées, déchiquetées, brûlées, toutes visqueuses. Elles sont toutes mortes. Alors pourquoi? Pourquoi? C'est très bizarre. Putain, on a vraiment des trucs assez curieux quand même hein, en navigation. Hein. Voilà, des petits lambeaux. Lambeaux de méduses, ou alors elles sont mortes. Regardez, hop. Et pareil, il y en a des milliers. Désintégrées. Ah, celle-là est vivante. Allez, celle-là est morte. Alors je viens de voir une jellyfish box. On nous l'avait dit à Udiritz qu'il y en avait, mais ici elles sont pas comme en Australie. Elles sont pas mortelles. Ça va vous faire mal, mais elle ne piquera pas. Et je viens d'en voir, il y a je sais pas combien d'espèces de méduses. Mais c'est assez impressionnant quoi. Et là je sais pas pourquoi elles sont mortes. Est-ce que c'est parce que manque d'oxygène? Je sais pas si ça a besoin d'oxygène. Pollution, température de l'eau, c'est très très bizarre. Ça a beaucoup de mal à se découvrir ce matin. Ça fait assez mystique, hein, l'île mystérieuse. On risque de voir King Kong à l'intérieur. Après mes recherches, les bananas, dans le désert, il y a les ergues. Et les ergues, c'est ce qui est rocailleux. Et je pense que cette partie-là, avec les rochers, ça fait partie des ergues. ERG. Ça reste très mystique, hein, vraiment. Hein. Bah en plus, avec, avec le brouillard, là, c'est vraiment... Il y a un banana, il n'y a pas longtemps, il a dit pas la peine d'aller sur Mars avec vous, mais là, on a vraiment l'impression d'être sur une autre planète, quoi. La wiki Jacouille. Tout à l'heure, j'ai dit pour la côte des squelettes, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, non. C'est pas que les bateaux qui ont fait naufrage le long de la côte. C'est aussi toutes les carcasses de baleines et d'animaux qui jonchent la côte, en fait. Comme on l'a trouvé l'autre jour. Voilà, comme on a trouvé hier, on a trouvé une carcasse de baleineaux et d'animaux. Hein. Et tout le long, en fait, il y en a. En fait, la mer est légèrement agitée, ça va, parce qu'il n'y a pas de vent du tout, mais pas vent fort à mon avis, et ça s'explique avec le ressac en fait. Les vagues tapent dans la roche, elles sont rebondies et elles viennent frapper contre les vagues dominantes, qui doit donner une mer dégueulasse. L'écume ou une nappe de pétrole? La séparation entre deux courants. Ah, c'est étrange. Waouh, c'est bizarre. Alors, Wiki Jacouille, c'était quoi ça? Ben, je pense que c'est de l'écume. De l'écume. C'est de l'écume de quoi? Je peux pas vous dire, je sais pas. Est-ce que vous voyez le dauphin là? Le dauphin, ça serait ça là. L'aileron avec le rostre. Il n'aurait pas de queue quoi. Ah, je pense que c'est ça. Un chiot, un labrador, il est en train de fermer les yeux, en train de dormir sur la montagne.
Oh les bananes, le coup de frayeur, j'ai cru que j'allais attendre pour la deuxième fois ma caméra Sony. Là. Oh, il y a un otari, elle nous a aspergé. Alors c'est de bonne guerre, on est allé surveiller, elle m'a balancé un gros coup d'eau dans la gueule. Et elle a arrosé ma caméra là. Là je vais la mettre au soleil là pour qu'elle sèche quand même un petit peu là. Je vais la rincer à l'eau douce, quoi délicatement mais. Ouh allez, je la mets au soleil pour qu'elle sèche là. C'est bien Jacouille, ta couleur n'est pas du tout flashy. Violet fluorescent, c'est intéressant. Là, nous sommes sur Mercury Island. Okay, let's go. Et on a les dauphins juste à côté de nous, là, c'est... C'est magique, les bananas. Allez, sortez, montre aux bananas que vous êtes là. Fais-moi plaisir, montre aux bananes que t'es beau. Tu vas pas mettre ta bouffe dans l'eau. Vas-y, sors. Yes. C'est trop beau. On est seul, cette fois on est seul au monde. On est tout seul. Ouais. Il y a une espèce de base scientifique. Ça a l'air d'être abandonné, je pense que c'est à cause du Covid, c'est ce qui se passe un peu partout dans le monde. Ouais, il n'y a personne. Et là, on va essayer de descendre à terre. Voilà. Il est passé il n'y a pas longtemps. Hein. Je pense que c'est un chacal, hein, vu la trace de pattes. Et ça fait un peu bizarre quand même, hein, parce qu'il y a des traces de charognards. Ah ouais. Donc on risque rien si c'est des chacals. Là, c'est un peu bizarre. C'est vraiment tout frais quoi. Oh là là, mais il y a des squelettes partout. Ça c'est quoi? Otari aussi. Ah ouais, il y en a partout. Ah ouais, Otari. Là-bas, il y en a aussi. Il y a des gros trucs qui sont là aussi. Il y a à peine 10 minutes, on se disait avec la Jacouille qu'est-ce que deviennent les otaries quand elles sont mortes parce qu'on ne les voit pas à terre. Bah, elles meurent en mer. Voilà, on a la réponse. Elles meurent en mer. Putain, il y a un Bigfoot qui est passé par là. Regarde là encore. Ah non, là c'est un oiseau. Non, c'est un oiseau. Ça a des sacrés dents, hein. Ça n'a pas été à bon moment. Hein. Je vais récupérer une dent. Hop. Comme je suis en train de perdre mes dents, je vais pouvoir les remplacer. Voilà. Celle que j'ai autour du cou, c'est un crocodile qu'on a trouvé mort au Perlas. Je veux dire quand même qu'il n'y ait pas un chacal qui se pointe là parce qu'on serait mal. Oh putain. Il y a des traces de chacal partout. Partout. Et ça peut pas être les lions du désert? Non, pas les lions du désert, c'est trop petit. Arrête, tu me fais flipper. Hop, une omoplate d'Otari. C'est une omoplate ou c'est la palme? La nageoire. Oh, toute omoplate ça. Alors est-ce que ce serait possible que ça soit le lion du désert ça? Ah mais là ça ressemble quand même. Mets ta main à côté, mets ta main à côté. C'est quand même assez gros hein. C'est assez gros, c'est vrai. Tous les trucs blancs que vous voyez ce sont des os. Là Jacouille me fait flipper un peu avec son lion du désert parce que c'est vrai que c'est assez gros. Imaginez, il y a un lion qui sort de nulle part derrière comme ça là-bas. Non, mais ben, on pourra jamais courir au plus vite que lui. Hein. Non, ben, c'est sûr. Hein. Moi j'ai des mages à couilles déjà, c'est chacun pour soi, hein, de toute façon. Hein. Là ça commence à me faire flipper en fait. Et il y a une tanière là, ici là. Alors son repère c'est par là. Il monte par là et il monte là-haut. Avec ton ouais. Il arrive vite, hein. Il vient vers nous. Il vient vers nous. Il vient vers nous, hein. Il vient vers nous.
Il se rapproche. Il est là-bas. Ah ouais, il nous a vu. Bah, il va pas me le louper avec mon pantalon rose. Mais il y en a pas un derrière nous, au moins. Parce que là, on regarde ici, du coup, mais... Il nous regarde. Il s'en va ? Ouais, il va vers la droite. Il revient vers nous. Ah, ça y est, il fait demi-tour. Il est pas loin là. Il va vers là. Il vient, hein. Il arrive. Ah, tu lui as fait peur. Je préfère ça, hein. Il s'approchait trop là. J'ai eu peur. Il nous regarde. Il s'est bien approché de nous, hein. Mais c'est beau, non? Avec Ouais, carrément. Chaud, hein. Ça va être chaud les bananes là, on est descendu à terre tout à l'heure entre deux vagues. Et là il y a les rouleaux, il y a tout l'équipement photo. On avance un tout petit peu. En plus il y a les méduses là. Attends, attends. Non, pas celle-là, peut-être après celle-là. Allez go. Allez, on y va. On y va, on y va. Mais non, qu'est-ce que tu mets devant, sur le côté? Ah! Mais c'est pas vrai! Mets-toi à l'arrière! Oh putain! Ça, c'est bien la peine que j'explique les choses avant! Mais c'est pas possible, mais... On s'en est sorti, Choupi! Ouais, on s'en est sorti, mais c'est pas vrai, quoi! On s'en est sorti! Putain, j'explique qu'avant, je dis, ce soir ça va être chaud, chacun de son côté et tout. Regarde, regarde, il nous regarde. Ah oui. Ben, il le sait, je suis que j'ai le cerveau à l'envers, pour pas qu'il fasse celui qui sait pas. En fait,
tête à Jaco, il ne faut pas lui dire, alors surtout on fait comme ça. Ou alors surtout tu dis pas non. Hein. Comme ça on dira oui. Et comme ça, si vous dites à droite, elle partira à gauche. Hein. Là-bas il y a un truc sur la plage. Jaco il a trouvé où était le dauphin. Il est là, regardez, il y a le rostre dans l'eau, la tête et l'aileron. The head of dolphin. C'est pour ça. Est-ce que vous vous rendez compte les bananes? Est-ce que vous vous rendez compte? Il n'y a que vous et nous. Nous sommes seuls au monde. Oui. Mais vraiment, quand on dit seul au monde, nous sommes seuls au monde. Hein. Il n'y a personne cette fois. Il n'y a même pas de pêcheur, il n'y a personne. Le soleil à droite, le désert à gauche, la jacouille devant, derrière Valvis Bay. Et voilà, on est le seul bateau, le seul voilier au monde, dans tout le monde, en train de mouiller dans cette baie. Et vous vivez ça avec nous, les bananes? Ouais. Et ouais. C'est un truc de dingue. Non, mais quand on y pense, c'est unique. Ah oui, c'est unique. Qu'est-ce qu'il nous a? On a pris des coups de soleil aujourd'hui, les bananes. Ah, comment passer du coq à l'âne? Ah ben ça tombe bien, mon beau-frère est gendarme. Salut les bananas. Hey, les bananes. Il me dit pas « Hey les bananes » et lui il fait « Hey les bananes !» Parce qu'elle se répète tout le temps. Bon, imaginez-vous bien que si on intervient à la fin de la vidéo, c'est qu'il va y avoir quelque chose. Ouais, voilà, on a une annonce à vous faire. On vous annonce que c'est la fin de la chaîne YouTube. Eh ouais. Ça s'arrête là pour vous. Poisson d'avril. On fait poisson d'avril parce qu'on n'y sera pas encore. Là, parce que, on ne sera pas là. On ne sera pas là pour le poisson d'avril, donc il fallait bien vous offrir. Profitez bien de nos sales gueules, parce que vous n'avez pas... Oh, ouais, parle pour toi, ouais. Profitez bien de ma sale gueule, parce que vous allez... Vous n'allez plus nous voir pendant un mois. Peut-être plus que ça, on ne sait pas du tout. On ne sait pas du tout. Ça y est, c'est parti, les bananes, on a fait nos papiers de sortie, on s'en va. Ciao tout le monde. On s'en va de Namibie. Alors, par contre, ça se complique de plus en plus. Souvenez-vous, ça fait presque un an que nous sommes ensemble maintenant. On est plus de 6 000 abonnés. D'ailleurs, bon anniversaire à tous, parce que ça fait un an qu'on se suit tous, qu'on vit l'aventure tous ensemble, et que c'est que du bonheur. D'accord. Hein? Bon, c'est fini. Eh oh. Nous quittons la Namibie. Laisse-moi te parler un peu. Vas-y, pardon. Vas-y. Nous quittons la Namibie. Putain, mais t'es chiant. Nous quittons la Namibie. C'est bien, au moins ça te met en valeur. Nous quittons la Namibie. Ça, ils vont le savoir hein, quand on quitte la Namibie. Mais tu m'emmerdes. Là. Bon, nous quittons la Namibie, ça se complique un petit peu pour nous. Brésil. On avait un accès au Brésil. C'est le blackout le plus complet. Il n'y a plus de nouvelles, il n'y a plus rien. À mon avis, ça part en cocouette. En fait, on avait le contact du responsable d'un marina et qui ne répond plus. Qui ne répond plus du tout et à personne. Okay. Donc, il s'autoproclamait un peu le seul port d'entrée presque officiel du Brésil. Et curieusement, ça fait une semaine, il n'y a plus de nouvelles, mais il y a plein de gens qui envoient des mails, des messages, il n'y a plus rien du tout. Donc, à mon avis, voilà, c'est passé à la trappe. Il y a anguille sous patate. Il y a mammouth sous gravillon. Nous avons contacté le consul de Sainte-Hélène, Napoléon. Très gentil, le monsieur. Très gentil. Nous a répondu Michel, de suite. Ouais, le port nous a répondu de suite, super sympa. Mais non, on n'a pas le droit d'y aller. On n'a pas le droit d'y aller. On peut y aller que 24 heures pour ravitaillement et repos. Donc je pense qu'on va s'y arrêter pour vous montrer un peu Sainte-Hélène. Nous, on y a déjà été. Mais pour vous montrer à quoi ressemble Sainte-Hélène. On va faire un film d'extérieur, au moins. D'extérieur, pendant 24 heures. Même si on est là pour se reposer, et voilà, on travaillera pour vous. Quand même. Et donc, on ne sait pas du tout. On ne sait pas du tout. On va encore repartir dans,
On a envoyé un message en Guyane. On est français, évidemment, on va pouvoir rentrer en Guyane. Et nous, ce qu'on veut surtout, c'est de ressortir de Guyane. Quoi. C'est pas parce qu'on est français que ça y est, on doit être en prison comme. Hein, comme bon, vous m'avez compris. Hein. Je vais pas faire de politique. Merde. Et sinon, si ça se fait pas, ben, on remontera. On remontera sur les Antilles, près de 5000 milles. Donc 5000 milles, ça va être pas loin de. Je sais pas la visée qu'on va avoir. Alors donc, là, ne vous attendez pas à avoir des messages tous les jours avec, avec Jonathan et Claire, parce qu'en fait, on n'a que 75 unités d'iridium. Donc, on ne va pas pouvoir envoyer des messages tous les jours. Donc, on va essayer d'envoyer au moins un message par semaine. Et puis, on va voir si nos pitous vont vous faire le petit relais. Ils nous feront le relais. Et Après, ça ne vous fait pas de mal aussi. Vous en avez peut-être marre de nous voir. Mais moi, je sais qu'ils en ont pas marre. Madame Soleil, madame est voyante, maintenant c'est nouveau ça. Donc on vous met un petit bonus à la fin de cette vidéo de ce qui s'est passé après, parce que évidemment j'ai plein de retard. Cette vidéo n'était pas prévue, je me suis dépêché de vous la faire pour faire ce petit message en même temps. Derrière il y aura Sossus Vlei, l'intérieur de la Namibie, Spitzkop, pareil, magnifique. Et on était avec les otaries à Walvis Bay. Bon, Walvis Bay, c'est pas une ville Elle est pas super jolie, franchement. Hein Lüderitz, c'était beaucoup plus beau. Lüderitz, c'était beaucoup plus beau. Et voilà, donc je ferai ces vidéos-là pendant la traversée. Et évidemment, je vous ferai une vidéo de cette transatlantique sud. À savoir que cette transat de nos voyages de marins avec Majakou, ça a été le plus bel océan que nous ayons traversé. Mais vraiment, quand je vous dis ça, c'était comme en marina, quoi. On était dans le bateau et ben, j'espère qu'on va vous montrer la même chose cette fois-là. C'est vrai qu'avec pirate.com, c'était une très c'était belle une super traversée. Mais vraiment, quoi. Par moments, je disais, c'est pas possible, on n'est pas en mer. Et voilà. Donc, on vous embrasse. Prenez bien soin de vous. On ne sait pas ce qui se passera pendant ces 5 semaines à venir, 4 semaines. Prenez bien soin de vous. Vous allez nous manquer. J'ai envie de pleurer, ça y est. Non, peur pas, je serai là. Et puis les bananes vont penser à toi, je suis sûre. Mais on va penser à vous tous les jours, parce que vous savez que tous les jours, bah voilà, vous voyagez avec nous, vous savez, vous faites partie du voyage. De l'aventure, vous faites partie de l'aventure, tout ça. Donc, et, voilà. Puis vous allez voir la chaîne des Pitous, comme ça, en attendant. Hein. Mais la SFR, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Ben, s'ils veulent. Ils peuvent y aller. Eh bien, ça prend, oui. La veille du départ m'énerve déjà. On vous embrasse, les bananes. On vous embrasse bien fort. Gros bisous et prenez bien soin de vous tous. Hein. Ciao. Gros bisous. Thank you.